Bonjour, bienvenue sur Recife News et bienvenue dans la ville de Biarritz. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir à travers ce petit vlog la cité de l'océan avec toutes ses attractions. T'es prêt à faire du surf ? Oui, il paraît que c'est pas mal, donc on va découvrir ça. Moi, c'est la première fois que je viens, donc j'ai hâte. Pareil, il y a plein d'autres trucs à découvrir, donc l'univers de l'océan, mais à travers des animations numériques et digitales, de la réalité virtuelle, de l'animation 4D, donc ça va être rigolo. À tout de suite. On a un nouveau plongeur avec nous. Là. Ah, il vient plonger avec nous. Je sais pas s'il est bon, mais en tout cas, il a l'air motivé. C'est bon, au milieu de la plongée, c'est vachement bien raconté. Il y a l'histoire qui va avec et ben, c'est surprenant. Franchement, les vidéos sont top, les images sont top et on apprend plus sur le requin. Je m'attendais pas à ça. Mais là, pour le coup, on est vraiment au milieu de la nuit en plongée avec les requins qui chassent. Tu vas passer pour le brevet plongée ? Ça donne envie. Avec la biologie marine, c'est cool. Allez, prochaine attraction. Bon. C'est bon, je rentre. Regarde dans les poches. Ah, regarde dans les poches. Bon, t'es confiant ? Excellent, tu fais quelques centaines de kilomètres en quelques minutes. Bon, avec un peu de perturbation, mais... Il y a des loopings ou des tonneaux. Bah, c'est des virages qui sont un peu rudes. Hein. Bon, ça va, j'ai fait 4000 kilomètres avec Seb en voiture. Tiens, il y a une photo souvenir, allez voir là-bas. Okay. Effectivement. On a la preuve que tu étais bien à l'envers. Oui, tu étais bien à l'envers. Prochaine attraction, deuxième truc VR, enfin deuxième attraction VR. C'est parti, petite plongée. Ouais, plongée sèche. Vous allez voir la biodiversité marine. C'est un reportage de Jane Goodall. Regardez tout autour de vous. Soyez curieux, soyez inspirés et aidez-nous à protéger les animaux et leur environnement. Ça va ? Super. Attention sur les lunettes. Ouais. Tac. Bon. Seconde plongée sèche. Ouais, dans notre univers, là, c'était l'ode à la biodiversité. Donc, c'est une vidéo menée avec Jane Goodall, qui est une climatologue et qui est impliquée dans la défense de la biodiversité auprès des Nations Unies. Donc, si vous voulez voir un cachalot de très très près ou une tortue verte, c'est. C'est ici que ça se passe. Alors si ça rentre pas, il faut qu'on décide d'abord de mettre une des Ok, donc là voilà, on est en position rouleau, donc vraiment elle se penche en avant avec les mains dans le dos. La vague est tombée sur vous, c'est pas grave, on change de vague. Allez, là vous pouvez faire des mouvements de gauche à droite, monsieur. Vous avez fait le premier jusqu'à la première sur ce terrain. Bon, ben, je crois que c'est clair.
Je t'ai dit 100 000 points. C'est moi qui ai payé l'apéro au soir. Super sensation. Bon, après, faut pas être qui chasse. Ouais, faut avoir l'habitude, franchement. Là, c'est... Ouais. Un côté déstabilisant avec le casque parce qu'on sait pas trop au début où on est sur la première fois. Je pense qu'il faut 2-3 fois avant de maîtriser, mais ouais. Super attraction. Ouais, c'est sympa. Bah, c'est vachement sympa. Ça change des aquariums publics. Là, on découvre le mécanisme de l'océan à l'échelle planétaire. Ce qu'on y trouve, les dynamiques, l'histoire, donc c'est vachement sympa, vachement moderne avec des activités, beaucoup de réalité virtuelle, le surf. La 4D aussi, parce qu'il y a une attraction 4D à faire. Ouais, donc c'est vachement sympa, en famille, entre copains, on peut vraiment s'éclater. Bah, disons que vous faites le combo, vous faites la visite de l'aquarium le matin, vous faites le restaurant rooftop, ouais. Qui est vraiment sympa, et l'après-midi vous venez là et je pense que vous avez passé une bonne journée, surtout s'il fait mauvais à Biarritz. C'est clair, bah, ma première fois dans la région et je pense que je reviendrai. C'est pareil. Merci de nous avoir suivis. Ciao.